Bien, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu à nouveau dans le livre des Juges et au chapitre 14. Et comme l'a dit Jean-Claude, le chapitre 17, c'est pour dans quelques semaines. Mais nous lirons le chapitre 14 en entier. Et donc nous commençons au verset 1. Voici la parole de Dieu. Juges, chapitre 14, verset 1. Samson descendit à Timna. Et il y vit une femme parmi les filles des Philistins. Lorsqu'il fut remonté, il le déclara à son père et à sa mère et dit: J'ai vu à Timna une femme parmi les filles des Philistins. Prenez-la maintenant pour ma femme. Son père et sa mère lui dirent: N'y a-t-il point de femme parmi les filles de tes frères et dans tout notre peuple que tu ailles prendre une femme chez les Philistins qui sont incirconcis? Et Samson dit à son père: Prends-la pour moi, car elle me plaît. Son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'Éternel, car Samson cherchait une occasion de dispute de la part des Philistins. En ce temps-là, les Philistins dominaient sur Israël. Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Lorsqu'ils arrivèrent aux vignes de Timna, voici, un jeune lion rugissant, vint à sa rencontre. L'Esprit de l'Éternel saisit Samson, et sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Il descendit et parla à la femme, et elle lui plut. Quelque temps après, il se rendit de nouveau à Timna pour la prendre, et se détourna pour voir le cadavre du lion. Et voici, il y avait un essaim d'abeilles et du miel dans le corps du lion. Il prit entre ses mains le miel dont il mangea pendant la route, et lorsqu'il fut arrivé près de son père et de sa mère, il leur en donna, et ils en mangèrent, mais il ne leur dit pas qu'il avait pris ce miel dans le corps du lion. Verset 10. Le père de Samson descendit chez la femme, et là, Samson fit un festin, car c'était la coutume des jeunes gens. Dès qu'on le vit, on invita 30 compagnons qui se tinrent avec lui. Samson leur dit: Je vais vous proposer une énigme. Si vous me l'expliquez pendant les 7 jours du festin, et si vous la découvrez, je vous donnerai 30 chemises et 30 vêtements de rechange. Mais si vous ne pouvez pas me l'expliquer, ce sera vous qui me donnerez 30 chemises et 30 vêtements de rechange. Ils lui dirent: Propose ton énigme, et nous l'écouterons. Et il leur dit: De celui qui mange est sorti ce qui se mange, et du fort est sorti le doux. Pendant 3 jours, ils ne purent expliquer l'énigme. Le 7e jour, ils dirent à la femme de Samson: Persuade ton mari de nous expliquer l'énigme, sinon nous te brûlerons, toi et la maison de ton père. C'est pour nous dépouiller que vous nous avez invités, n'est-ce pas? La femme de Samson pleurait auprès de lui et disait: Tu n'as pour moi que de la haine et tu ne m'aimes pas. Tu as proposé une énigme aux enfants de mon peuple et tu ne me l'as point expliquée. Et il lui répondit: Je ne l'ai expliqué ni à mon père, ni à ma mère. Est-ce à toi que je l'expliquerai? Elle pleura auprès de lui pendant les 7 jours que dura leur festin. Et le 7e jour, il la lui expliqua, car elle le tourmentait. Et elle donna l'explication de l'énigme aux enfants de son peuple. Les gens de la ville dirent à Samson le 7e jour, avant le coucher du soleil: Quoi de plus doux que le miel? Et quoi de plus fort que le lion? Et il leur dit: Si vous n'aviez pas labouré avec ma génisse, vous n'auriez pas découvert mon énigme. L'Esprit de l'Éternel le saisit et il descendit à Ascalon. Il y tua 30 hommes, prit leurs dépouilles et donna les vêtements de rechange à ceux qui avaient expliqué l'énigme. Il était enflammé de colère et il monta à la maison de son père. Sa femme fut donnée à l'un de ses compagnons avec lequel il était lié. Et jusque-là, la parole de Dieu.
Nous avons vu au travers de cette série dans le livre des Juges que la situation spirituelle d'Israël, du peuple d'Israël, devient de plus en plus mauvaise. Et l'annonce que l'on a eue au chapitre 13, l'annonce de la naissance de Samson, nous a préparé pour un libérateur puissant, un libérateur merveilleux. Mais au lieu de cela, en lisant l'histoire de Samson, on a le personnage le plus imparfait de tout le livre des Juges. Il est violent, il est impulsif, il a une certaine addiction au sexe, il est émotionnellement immature et il est égoïste. Et la question que l'on peut se poser en lisant l'histoire de Samson, c'est pourquoi Dieu utilise des personnes comme Samson? Et la réalité est encore peut-être plus déroutante pour nous quand on voit que Dieu a utilisé les péchés de ces personnes faillibles pour accomplir sa volonté. Nous savons que Dieu ne peut jamais commettre de péché. Il est incapable de commettre le péché. Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, est le seul dans tout l'univers qui est incapable de pécher. Et de plus, nous savons que Dieu ne tentera personne à commettre le péché. L'apôtre Jacques, dans sa lettre, Jacques 1, versets 13 et 14, nous le dit, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise, c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Jacques 1, versets 13 et 14. Mais voilà, Dieu utilise des personnes mauvaises, faillibles, et il utilise leurs péchés pour accomplir sa volonté. Cela nous enseigne plusieurs choses. Tout d'abord, que Dieu est suffisamment puissant pour faire ce qu'il a choisi de faire avec qui il a choisi de le faire. Il n'exige pas toujours la perfection de la part de l'homme. Deuxièmement, le fait que Dieu choisisse d'utiliser des personnes faillibles, imparfaites, devrait les réveiller à sa puissance, à sa grâce, à sa miséricorde, que Dieu puisse les utiliser, eux qui sont imparfaits. Troisièmement, si Dieu utilise une personne imparfaite, faillible, cela ne veut pas dire que Dieu approuve l'injustice de cette personne, le péché de cette personne. Et quatrièmement, Dieu utilise souvent les conséquences du péché pour accomplir son désir de montrer à ses créatures que le péché a de graves conséquences. Samson, on l'a dit la dernière fois, on va le redire, Samson est une énigme. C'est un de ces juges que Dieu a suscité, qu'il a utilisé pour délivrer son peuple et qui, cependant, n'a jamais manifesté un caractère pieux. Et ce qui est plus énigmatique encore, c'est qu'on le trouve dans la liste des exemples de foi en Hébreux chapitre 11. À côté de Gédéon, à côté de Jephthé, en compagnie de Rahab, la prostituée, de Barak, le peureux. Manifestement, ces personnes ont exprimé leur foi en Dieu seul pour leur sauveur, pour leur libérateur. Rahab a cru lorsque les espions lui ont parlé. Gédéon a révélé sa foi avant de tomber dans l'idolâtrie. Et Jephthé a montré sa foi en Dieu quand il a remis la bataille contre les fils d'Ammon entre les mains de Dieu. Il a fait confiance à Dieu. Samson a révélé sa foi quand il s'est repenti à la fin de sa vie, dans la prison des Philistins, qu'il a démoli la maison des princes. Les histoires des juges révèlent que lorsque l'homme fait ce qui lui semble bon, le résultat est un désastre. Mais ces histoires nous enseignent aussi que Dieu est en contrôle de toutes choses.
en tout temps, à tout moment. Et les histoires nous rappellent que nous avons besoin d'un libérateur ultime, d'un libérateur qui nous libère définitivement du péché. Et ce libérateur n'est autre que Dieu lui-même, Dieu le Fils, le Seigneur Jésus-Christ. L'histoire de Samson démontre que la puissance, la grâce étonnante de Dieu pour délivrer son peuple de l'oppression, et ce, malgré un libérateur humain, faillible et rebelle. Et la première chose, le premier point dans le message, c'est que la requête de Samson venait de l'Éternel. Samson est tombé dans le même trou que beaucoup d'autres pécheurs, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie. Et dans le cas de Samson, comme nous allons le voir à plusieurs reprises, l'objet de sa convoitise était une femme. L'histoire nous dit que Samson a vu et a convoité, versets 1 et 2. Samson descendit à Timna et il y vit une femme parmi les filles des Philistins. Lorsqu'il fut remonté, il le déclara à son père et à sa mère. Il dit, « J'ai vu à Timna une femme parmi les filles des Philistins. Prenez-la maintenant pour ma femme. » Difficile pour nous de croire, quand on lit ces paroles, que c'est l'homme sur qui l'Esprit de Dieu œuvrait. À la fin du chapitre 13, on lit ceci au verset 25, « L'Esprit de l'Éternel commença à l'agiter, à machaner Dan entre Tsoréa et Eshtaol. » On ne sait pas dans quelle mesure ou à quel point cette œuvre de l'Esprit-Saint était évidente, mais c'était l'œuvre de l'Esprit-Saint parmi son peuple choisi, et son œuvre allait avoir son effet. Samson vivait près des villes de Tsoréa et Eshtaol, qui faisaient partie de la tribu de Dan. En d'autres mots, Samson a grandi en vivant parmi le peuple que Dieu avait choisi. Mais la ville dans laquelle il vivait était sur la frontière avec le pays des Philistins, là où les Philistins habitaient. La ville de Timna n'était qu'à une poignée de kilomètres. Et c'est là que Samson a eu des ennuis. Quand Samson est allé dans la ville de Timna, il a vu et il a désiré. Il a connu la même tentation que ses parents originels ont connu quand ils ont regardé avec désir le fruit défendu de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ils ont connu le même genre de sentiment et le genre de désir que nous connaissons tous. L'apôtre Jean nous avertit dans sa première lettre, 1 Jean 2, verset 16, « Tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. » Ces désirs font partie de notre nature humaine. Ils sont intensifiés quand le monde qui nous entoure suit ces convoitises et dit que c'est normal. Samson vivait très près de personnes qui ne connaissaient pas l'Éternel. Il servait intentionnellement les faux dieux. Et donc on peut comprendre sans difficulté qu'ils vivaient pour satisfaire leurs envies charnelles. Et bien que Samson soit né selon la promesse de Dieu, qu'il était un Naziréen mis à part pour Dieu, qu'il était dans une famille qui craignait Dieu, qu'il vivait au milieu d'un peuple qui se déclarait être le peuple de Dieu, sa vie n'était pas différente que celle des gens du monde dans les pays des Philistins, et en particulier à Timna. Samson nous donne une image parlante de la vie de beaucoup de chrétiens professants. Ils disent qu'ils sont nés de nouveau par la foi en Christ. Ils savent comment dire ces choses parce qu'ils ont grandi dans des familles chrétiennes, ou parce qu'ils ont grandi dans des églises chrétiennes. Et pourtant, leur vie ressemble à celle du monde, à celle des habitants de Timna. Ils ne lisent pratiquement jamais leur Bible, ils ne prient que très rarement, ils assistent au culte quand ça les arrange, ils poursuivent les mêmes plaisirs que le monde. Ils ont l'apparence, ils agissent, ils parlent comme les personnes qui vivent
sans Dieu. En parole, ils sont les disciples de Christ. En acte, ils sont les disciples de soi. Ils ne vivent que pour eux-mêmes, comme toutes les autres personnes du monde qui vivent sans Dieu. Et par conséquent, quand la tentation vient, et qu'elle vient du monde, des gens de Timna, ils n'ont aucune défense pour les tenir à l'écart d'une alliance contre nature. Samson a regardé et a convoité. Et quand ses parents ont cherché à raisonner avec lui, il a refusé d'écouter leur sagesse, leur discernement. Son père, verset 3, et sa mère lui dirent, « N'y a-t-il point de femme parmi les filles de tes frères et dans tout notre peuple que tu ailles prendre une femme chez les Philistins qui sont incirconcis ?» Samson dit à son père, « Prends-la pour moi, car elle me plaît. » Au moins, ses parents connaissaient quelque chose au sujet de Dieu. Ils avaient, rappelez-vous, rencontré et parlé avec l'ange de l'Éternel. Ils ont essayé de suivre les instructions que l'ange leur avait données, parce qu'ils le craignaient dans un bon sens. Par conséquent, ils ont frissonné d'horreur quand leur fils leur a fait ce choix horrible. Le père et la mère avaient compris que c'était la volonté de Dieu pour Samson d'être consacré à l'Éternel. Ils savaient que le plan de Dieu était que des Israélites devaient épouser des Israélites pour que la nation reste pure. Le plan de Dieu était que son peuple soit identifié par la circoncision, un signe extérieur d'une consécration intérieure envers l'Éternel. Ils étaient pleinement conscients que le désir de Dieu était que le peuple qu'il avait choisi reste distinct du monde, qui n'était pas identifié comme le peuple de Dieu. Et Samson a décidé que les désirs de Dieu étaient trop contraignants. Peut-être qu'il ne voulait plus être distinct, unique, et il ne voulait plus être séparé des gens du monde. Peut-être qu'il pensait qu'il pouvait amener la jeune fille à Timna à la foi en Dieu. C'est peu probable, mais ça ressemble beaucoup aux excuses des jeunes d'aujourd'hui qui cherchent à défendre leur penchant à se mettre sous le joug des incroyants. Le fait était que Samson voulait faire ce que Samson voulait faire. C'était un homme sensuel et ses sens le contrôlent. Il réagit à ce qu'il ressent sans réflexion, sans considération. Il voit et il veut prendre. Notez ce qu'il dit à ses parents, verset 3. « Prends-la pour moi, car elle me plaît. » Littéralement, c'est « Elle est juste à mes yeux. » Et cette requête nous pousse à vouloir demander à Samson, « Mais Samson, quelle est ta norme de justice ? Qu'est-ce qui te fait penser qu'elle est juste ?» Dans le langage d'aujourd'hui, Samson dirait « Fais qu'elle soit ma femme parce qu'elle est exactement ce que je cherchais. Elle a les cheveux foncés, les pommettes hautes, de beaux yeux foncés, un large sourire blanc et un corps parfait. » Mais il ne s'arrête pas pour demander « Est-ce qu'elle aime l'Éternel ?» Pourtant, Dieu avait dit en Exode 34, versets 15 et 16, par la bouche de Moïse, « Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays, de peur que se prostituant à leur Dieu et à leur offrant des sacrifices, ils ne t'invitent et que tu ne manges de leurs victimes, de peur que tu ne prennes de leurs filles pour tes fils et que leurs filles se prostituant à leur Dieu n'entraînent tes fils à se prostituer à leur Dieu. » Dieu n'est pas contre un mariage interracial. Il est contre un mariage interfoi. L'apôtre Paul reprend cela en 2 Corinthiens 6, versets 14 et 16, à 16. « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité ? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres ? Quel accord y a-t-il entre Dieu et Bélial ? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle ? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles ? Car nous sommes le temple de Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Et le contexte de ces deux textes n'est pas les autres religions officielles. Non, le contexte, c'est l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est déplacer Dieu
en faisant des choses qui sont créées et qui sont bonnes, plus importantes que Dieu, en mettant ces choses à la première place. Et quand un conjoint ne partage pas la foi de l'autre, il y a une grande pression de s'adapter à cette situation en poussant Dieu vers la périphérie. Le conjoint ne comprend pas ce qui est le moteur et la motivation de tout ce que fait l'autre. Et la réponse naturelle est de rendre Dieu moins central. Il y a une pression constante, quotidienne, invisible, d'adorer autre chose. Ça peut être adorer le conjoint lui-même, ou ça peut être adorer les idoles que le conjoint amène dans le mariage. Voilà pourquoi la Bible exhorte le croyant à ne jamais épouser en toute connaissance un conjoint non-croyant. Mais Paul nous rappelle aussi en 1 Corinthiens 7 qu'un croyant déjà marié à une incroyante doit s'efforcer à construire un bon mariage. Et dans sa réponse, Samson démontre qu'il ne va pas être le juge que l'on espérait. Le premier juge, Othniel, avait combattu les ennemis d'Israël. Il avait épousé Aksa, une Israélite fidèle qui craignait Dieu. Juge 1, verset 12. Le dernier juge, Samson, va chez les ennemis d'Israël pour épouser une Philistine dont on ne connaît pas le nom et qui, elle, ne connaît pas Dieu. Et c'est l'attitude qui caractérisait le peuple pendant cette période des juges. Nous l'avons lu tout à l'heure en Juges 17, verset 6, et on le retrouve en Juges 21, verset 25. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Chacun faisait ce qui semblait bon à ses yeux. Samson démontre l'attitude de notre culture qui est très éloignée de la communion avec Dieu. Il nous rappelle que lorsque nous servons et que nous nous adorons nous-mêmes, nous agissons en ignorant la sagesse de Dieu, cette sagesse qui déclare en Ecclésiaste 1, verset 8, « L'œil ne se rassasie pas de voir, l'oreille ne se lasse pas d'entendre. » L'homme, celui qui a écrit ces paroles, est un homme qui avait 700 femmes et 300 concubines. Salomon. Il est important de noter que Samson a trouvé sa femme à Timna, toujours en territoire israélite, que Samson était libre de ses mouvements. Les Philistins avaient été établis dans le pays. Ils vivaient une vie normale en Israël. Ils dominaient sur Israël, mais leur occupation semblait être paisible. Et ceci devrait nous pousser à réaliser qu'il manque quelque chose dans l'histoire. On l'a déjà dit la dernière fois, mais il manque quelque chose ici, dans ce cycle de l'histoire. Israël n'a pas crié à l'Éternel pour être délivré. Israël n'a pas crié. Il n'y a aucune résistance à l'esclavage. Chapitre 15, verset 11, les hommes de Juda vont prendre pour acquis que les fils philistins dominent sur Israël. 3000 hommes de Juda descendirent à la caverne du rocher d'Étham et dirent à Samson, « Ne sais-tu pas que les Philistins dominent sur nous ?» C'est quelque chose d'acquis. Alors que dans les cycles précédents, on a vu Israël qui a crié à l'Éternel parce que la domination était militaire, était politique. Maintenant, ils sont pratiquement inconscients de leur esclavage parce que cet esclavage, et la nature de cet esclavage, c'est l'intégration culturelle. Les Israélites ne gémissent pas, ils ne résistent pas parce qu'ils ont complètement adopté et adapté les valeurs et les idoles des Philistins. Les Israélites n'avaient plus de culture reconnaissable, une culture basée sur le service de l'Éternel. Et combien l'Église est en danger quand elle suit l'exemple du peuple d'Israël d'adopter et d'adapter les valeurs et les idoles de ce monde. Un commentateur écrit « Il n'y a pas de coexistence harmonieuse entre l'Église et le monde, car là où il n'y a pas de conflit, c'est parce que le monde a pris le dessus. » Les parents de Samson, Manoach et sa femme,
se tordait sûrement les mains et implorait le secours de Dieu. Et la chose étonnante, c'est que Dieu était déjà à l'œuvre. Dieu va tourner cette situation, va tourner le péché de l'homme pour sa gloire. Verset 4 et début du verset 5, son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'Éternel, car Samson cherchait une occasion de dispute de la part des Philistins. En ce temps-là, les Philistins dominaient sur Israël. Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Attendez. Est-ce qu'on est en train de dire que la convoitise de Samson pour une femme païenne est quelque chose qui venait de l'Éternel? Le péché de Samson est entièrement l'œuvre de Samson. Ça appartient à Samson. Mais Dieu va utiliser le péché de Samson, sa fraternisation avec les Philistins, son appétit pour les femmes, son caractère vindicatif, son désir de vengeance, son tempérament, pour juger les Philistins qui avaient rejeté l'Éternel et pour délivrer le peuple qu'il avait choisi. Dieu va utiliser cela pour exercer sa vengeance sur les Philistins et délivrer son peuple. Ce n'était pas la volonté de Dieu que les Philistins règnent sur le peuple choisi. Et il était en train de changer cela. Dieu reste fidèle à son alliance. Et la prochaine étape dans le plan de Dieu est assez remarquable. On découvre que même l'attaque d'un jeune lion venait de l'Éternel et que cela allait accomplir son plan. Cela a donné l'opportunité de révéler la force miraculeuse que l'Esprit Saint avait accordée à Samson. Fin du verset 5. Lorsqu'ils arrivèrent aux vignes de Timna, voici un jeune lion rugissant vint à sa rencontre. L'Esprit de l'Éternel saisit Samson et sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Et cette partie de l'histoire suscite plusieurs questions. La première, au début de ce scénario, on peut se demander pourquoi Samson est seul. De façon évidente, il était séparé de ses parents quand le lion a bondi sur lui pour l'attaquer. Si Samson était un adolescent d'aujourd'hui ou un jeune adulte aujourd'hui, il aurait marché hors de vue de ses parents, parce qu'il se serait senti dans l'embarras si ses amis de ce monde le voyaient en présence de ses parents. Mais quelles que soient les raisons humaines, c'est la volonté de Dieu que personne ne soit témoin de cet événement, parce que Dieu allait l'utiliser plus tard. Si un parent avait été témoin d'une telle scène, de son fils qui déchire un lion de ses propres mains, il aurait posté l'information sur tous les réseaux sociaux. Mais pour que le plan de Dieu fonctionne, Dieu devait faire en sorte que Samson soit seul, que personne ne soit témoin de ce miracle. Deuxièmement, si nous comprenons un peu les animaux, on peut se demander pourquoi le lion a attaqué Samson. En général, les animaux sauvages ont peur des humains et cherchent à les éviter. Ils ne vont attaquer que s'ils se sentent menacés. Ou alors, comme dans ce cas, ils attaquent quand leur créateur leur dit d'attaquer. Dieu a utilisé cet animal comme il utilise toute chose dans ce monde. Troisièmement, est-ce que Samson a compris que c'était Dieu, l'Esprit Saint, qui lui donnait cette force inhabituelle? On pourrait penser que par la suite, Samson se demanderait comment il a pu faire cela. Est-ce qu'il s'est rappelé qu'il était un Naziréen séparé pour Dieu? Est-ce qu'il s'est arrêté pour penser à la volonté de Dieu dans sa vie? Est-ce que nous nous arrêtons pour nous demander ce que Dieu veut faire dans nos vies, comment il veut nous utiliser? La quatrième question que cela soulève, c'est pourquoi Samson n'a-t-il rien dit à ses parents? Ce serait tout à fait normal si Samson, après cet événement, avait couru vers ses parents en criant: « Vous ne croiriez jamais ce qui vient d'arriver.
Quand il serait arrivé à Timna, toute la ville aurait entendu parler de cette histoire étonnante. Si le miracle se passait de nos jours, tout le monde l'aurait mis sur Facebook, Instagram, TikTok et les autres réseaux sociaux, avec des likes et des images. Non, Samson a gardé cet événement secret parce que Dieu, l'Esprit Saint, œuvrait en lui, malgré son péché. Et Dieu devait encore ajouter quelques pièces au puzzle. Et donc l'Esprit Saint a créé une situation miraculeuse. Verset 7. Il descendit et parla à la femme, et elle lui plut. Quelque temps après, il se rendit de nouveau à Timna pour la prendre, et se détourna pour voir le cadavre de lion. Et voici, il y avait un essaim d'abeilles et du miel dans le corps du lion. Il prit entre ses mains le miel dont il mangea pendant la route, et lorsqu'il fut arrivé près de son père et de sa mère, il leur en donna et ils en mangèrent. Mais il ne leur dit pas qu'il avait pris ce miel dans le corps du lion. Samson est toujours convaincu que cette femme philistine était celle qui pouvait satisfaire ses désirs, et il retourne donc à Timna pour l'épouser. Et en chemin, donc, il rencontre cette situation extraordinaire. Il s'avance dans les vignes pour voir ce qui était arrivé au lion qu'il avait tué. Le cadavre était toujours au sol, là où Samson l'avait tué. Et ça, c'est déjà quelque chose d'inhabituel, parce que les bêtes de la nuit auraient dû soit la dévorer, soit l'emmener pour la cacher. Mais ce qui est encore plus remarquable, c'est qu'un essaim d'abeilles a construit un nid dans le cadavre, dans la carcasse. Les abeilles n'habitent pas dans des carcasses qui sont en train de se décomposer. Les mouches et les asticots, oui, mais pas les abeilles. Est-ce que Samson s'est arrêté pour se demander pourquoi ces abeilles brisaient leur vœu de pureté? Le mot traduit par « essaim » est plus proche de « communauté » pour illustrer le miracle de la vie dans un environnement de mort. Est-ce que Samson a vu la main de Dieu dans tout cela? Tout cela est le résultat de la conduite des événements par Dieu lui-même. Dieu a créé ce scénario dans le but d'utiliser l'énigme qui va sortir de ce miracle comme le moyen de juger et de punir les Philistins. Samson brise son vœu naziréen. Il n'avait pas le droit de toucher de cadavre, de carcasse. Là, il touche. Il brise son vœu de naziréen. Il va prendre le miel entre ses mains pour lui-même et pour ses parents. Quand un naziréen, et même quand un israélite en général, touchait un corps mort, il était considéré comme impur. Et Samson, en touchant ce corps, non seulement s'est rendu impur, mais en donnant le miel à ses parents, a aussi rendu impur, a souillé ses parents, qui l'avaient pourtant sanctifié, séparé pour Dieu. Et pourtant, Dieu accomplissait son œuvre à travers cet homme. Cela venait de l'Éternel. Le deuxième point, c'est que l'énigme de Samson était l'instrument de Dieu. Dieu, l'Éternel, allait utiliser cette alliance impie pour répandre son jugement. Samson se retrouve dans une situation typique pour les Philistins. C'était la façon déjà de faire les choses. Mais un Naziréen comme Samson n'aurait jamais dû se trouver dans un tel environnement. Verset 10, le père de Samson descendit chez la femme, et là Samson fit un festin, car c'était la coutume des jeunes gens. Dès qu'on le vit, on invita 30 compagnons qui se tinrent avec lui. Le terme hébreu qui est traduit par festin dans ce passage n'est pas le même que le mot que Dieu utilise pour décrire les festivités auxquelles il invite son peuple à venir pour l'adorer. C'était un enterrement de vie de garçon qui aurait duré une semaine, qui impliquait l'alcool en abondance, l'ivrognerie. Ce n'est pas le genre de situation dans laquelle un Naziréen comme Samson aurait dû être impliqué.
Et les habitants de Timna ont fourni 30 compagnons pour aider à manger la nourriture de Samson et à boire son vin. Quel genre de compagnons étaient-ils? Il semble que le chef de la ville était très rapide pour rassembler 30 jeunes soldats, sans doute, pour encercler Samson, pour l'empêcher de causer des ennuis. Après tout, c'était un jeune homme qui était notoirement bizarre avec ses longs cheveux, son vœu naziréen et cette réputation au sujet de l'Esprit de Dieu qui était sur lui. Mais Samson a brisé tellement de vœux pour s'intégrer aux voisins idolâtres. Et Samson va proposer une énigme à ses compagnons, verset 12. Samson leur dit: Je vais vous proposer une énigme si vous me l'expliquez pendant les 7 jours du festin. Si vous la découvrez, je vous donnerai 30 chemises et 30 vêtements de rechange. Mais si vous ne pouvez pas me l'expliquer, ce sera vous qui me donnerez 30 chemises et 30 vêtements de rechange. Et ils lui dirent: Propose ton énigme et nous l'écouterons. Et il leur dit: De celui qui mange est sorti ce qui se mange, et du fort est sorti le doux. Pendant 3 jours, ils ne purent expliquer l'énigme. Samson ne craignait pas les gardes et il décide de se moquer d'eux. Il propose une énigme qui allait montrer que Samson était brillant. Si les gardes ne pouvaient pas la résoudre, cette ruse allait aussi lui apporter 30 nouvelles tenues. Et parce qu'il propose 7 jours aux gardes pour résoudre cette énigme, ses compagnons pensent qu'ils vont facilement trouver la réponse. Mais après 3 jours de mauvaises réponses, ils étaient de plus en plus frustrés. Et finalement, ces hommes méchants se sont mis à manipuler la femme de Samson. Verset 15, le 7e jour, ils dirent à la femme de Samson: Persuade ton mari de nous expliquer l'énigme, sinon nous te brûlerons, toi et la maison de ton père. C'est pour nous dépouiller que vous nous avez invités, n'est-ce pas? Notez que dans la conversation, les compagnons considéraient déjà Samson comme le mari de cette femme philistine. Et sympas comme ils étaient, ils ont menacé de tuer la femme de Samson et de brûler la maison de son père. Dans une culture qui rejette la vérité de Dieu, elle devient plus méchante. Elle perd toute notion de barrière morale et éthique. Quand on rejette la vérité de Dieu pour préférer le relativisme, il n'y a plus de règles, il n'y a plus de frontières qui empêchent les personnes de causer des émeutes, des troubles, parce qu'elles ne sont pas contentes. Elles sont prêtes à brûler, à dérober des magasins de commerçants qui sont innocents. Mais l'Éternel a utilisé ce conflit entre les personnes comme le canal de son jugement. Cela faisait partie du plan de Dieu que la femme de Samson le manipule. Elle a mis la pression sur Samson, verset 16. La femme de Samson pleurait après lui, auprès de lui, et disait: Tu n'as pour moi que de la haine et tu ne m'aimes pas. Tu as proposé une énigme aux enfants de mon peuple et tu ne me l'as point expliquée. Et lui répondit: Je ne l'ai expliqué ni à mon père ni à ma mère. Est-ce à toi que je l'expliquerai? Quel mari peut ignorer sa femme qui pleure? Pourtant, son appel n'était ni logique, ni analytique, ni une explication franche des faits. Son argument n'était pas: Samson, si tu ne révèles pas la réponse à l'énigme, ces gars-là vont me tuer. Mais au lieu de dire la vérité, la femme m'a fait passer Samson pour un véritable malotru. Tu me détestes seulement, tu ne m'aimes pas. Comment ça, ma puce? Tu as mis une énigme à mon peuple, tu me l'as dit, tu m'as pas dit ce que c'était. C'est vrai, mais Samson ne l'avait dit à personne. Alors, je ne parle pas d'expérience ici, mais il paraît qu'un mari ne supporte pas longtemps ce genre de pression. Et avec le temps, Samson a craqué. Verset 17, elle pleura auprès de lui pendant les 7 jours que dura leur festin. Le 7e jour, il la lui expliqua, car elle le tourmentait. Elle donna
l'explication de l'énigme aux enfants de son peuple. Samson devait savoir ce qui s'était passé avec les gardes. Et donc, il prend la décision consciente de cracher le morceau, de révéler la réponse de l'énigme, en sachant très bien qu'il allait devoir trouver 30 costumes. Samson crache le morceau, il révèle la réponse. Et donc, par miracle, les gardes, les compagnons viennent apporter la réponse à l'énigme. Verset 18, les gens de la ville dirent à Samson, le septième jour, avant le coucher du soleil, quoi de plus doux que le miel et quoi de plus fort que le lion? Et ils leur disent, si vous n'aviez pas labouré avec ma génisse, vous n'auriez pas découvert mon énigme. Quand Samson traite sa femme de génisse, c'est aussi mauvais que ça en a l'air. Il n'y a pas de sens caché dans le mot hébreu. De toute évidence, Samson n'avait aucun respect pour ses compagnons philistins et n'avait aucun respect pour sa femme philistine. Sa femme était fautive d'avoir cherché à obtenir la réponse de lui. Les compagnons étaient fautifs d'avoir menacé sa femme. Mais tous ces conflits, toutes ces luttes entre personnes étaient simplement l'évidence que Dieu accomplissait son plan. Maintenant que le temps était venu, que les circonstances arrivaient où Dieu avait voulu qu'elles arrivent, l'Esprit de l'Éternel a pris le contrôle de Samson. Verset 19. L'Esprit de l'Éternel le saisit. Il était temps pour Dieu de se venger des Philistins qu'il avait rejetés. Et Dieu a donné à un Samson quelque peu ordinaire une force super ordinaire. L'Esprit Saint a poussé Samson à tuer 30 hommes, à voler leurs habits. Il descendit à Ascalon, fin du verset 19. Puis à 30 hommes, prit leurs dépouilles et donna les vêtements de rechange à ceux qui avaient expliqué l'énigme. Samson a marché environ 25 kilomètres en direction du sud-ouest pour arriver à Ascalon, l'une des principales villes des Philistins. Et là, il a tué 30 Philistins. Il a pris leurs vêtements, il a pris leurs armes. Il a donné le butin à ses compagnons de Timna. Et il est rentré chez lui, fou comme un frelon mouillé. Samson était en colère. Et on peut sympathiser avec lui, verset 19, à la fin. Il était enflammé de colère. Il monta à la maison de son père. Et le père philistin, le père de sa femme, a aggravé le conflit. Verset 20. Sa femme fut donnée à l'un de ses compagnons avec lequel il était lié. L'autre traduction dit, c'était le compagnon qui lui avait servi de garçon d'honneur. Samson ne le savait pas, et on le verra au début du chapitre 15. Parce que l'histoire n'est pas encore terminée. Dieu avait encore des jugements à déverser sur le peuple des Philistins. Le père philistin a fait ce à quoi on pouvait s'attendre. Il a donné sa femme à ce compagnon. Légalement, c'était encore la femme de Samson. Mais même là, Dieu contrôle toute chose. Comme on le verra Dieu voulant la prochaine fois, il a contrôlé même cette décision folle. Et souvent, la vie a l'air de se défaire avec des gens qui prennent des décisions stupides, des gens qui se fâchent, des gens qui en offensent d'autres, toutes les règles qui semblent disparaître. Et nous ne voyons pas que c'est Dieu qui a le pouvoir, qui orchestre ces choses. Mais comment Dieu peut-il utiliser des personnes imparfaites comme Samson pour accomplir son œuvre? Est-ce qu'il ne devrait pas seulement travailler avec des personnes qui sont bonnes, des hommes, des femmes qui sont pieux, qui sont justes? Est-ce qu'il ne devrait pas seulement utiliser des personnes qui ont les bonnes croyances, la bonne doctrine? La bonne attitude. Le problème avec ça, comme Jean-Claude l'a dit tout à l'heure, c'est qu'on met Dieu en boîte. C'est la religion. Cela voudrait dire que Dieu est limité par les humains, qu'il est seulement autorisé à œuvrer quand les gens sont bons ou quand ils font les bons choix. Cela voudrait dire que Dieu n'œuvre pas par grâce et qu'il ne prend pas l'initiative de sauver, mais qu'il œuvre en réponse aux bonnes œuvres, en attendant que des gens viennent l'aider dans le salut, ce qui n'est pas
le message de la Bible. Au contraire, Dieu est un Dieu de grâce. Et il sauve parfaitement, librement, qui il veut, quand il veut, il utilise qui il veut. Un commentateur montre que ce livre des juges vient torpiller cette idée. Il dit que c'est avant tout un livre au sujet de la grâce, de la miséricorde imméritée, comme l'est toute la Bible. Ceci n'est pas pour minimiser la précision théologique ou de prétendre que notre comportement n'a pas d'importance. Nous souffrons encore de nos péchés, mais nous ne pouvons nous réjouir que Dieu est aussi dans le processus d'utiliser nos échecs comme les fondations de ses succès. N'imaginons jamais que nous avons le contrôle de Dieu ou que nous savons comment et quand il va œuvrer. Dès que nous commençons à dire « Dieu ne peut pas ou ne fera jamais à moins que », nous sommes sur la mauvaise voie. La prochaine fois que vous vous sentez que vous avez besoin de demander « Mais qu'est-ce qui se passe ici ?» Arrêtez-vous, posez-vous la question « Est-ce que Dieu n'est pas en train de faire sa volonté pour manifester sa gloire ?» Il peut utiliser des hommes, des femmes aussi imparfaits que Samson pour accomplir son œuvre. Parce que on ne doit pas oublier que le jugement de Dieu contre le péché, contre les pécheurs, est aussi pour sa gloire. Dieu nous aide à méditer sur ces choses et qu'il bénisse la parole à nos cœurs. Amen.